Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans le vignoble jurassien au domaine Rollet. Je suis Cédric Ducoté et je vais vous parler du millésime 2022. Nous sommes le 20 juillet 2022. Il est 8h30 et il fait déjà 25 degrés dans les vignes. Donc, on est en plein épisode caniculaire qui est aujourd'hui quelque chose de plus en plus courant, même dans le Jura. Si on fait une petite rétrospective de ce millésime 2022 depuis cet hiver, on a un hiver plutôt sec, des précipitations peu abondantes hein, qui sont aussi suivies au printemps, quelques cumuls de pluie sur juin, mais rien de très significatif. Et ce qui est assez surprenant pour cette année, c'est que le vignoble bourguignon, qui est à une heure d'ici, a eu plus d'eau que nous, alors que d'habitude, on a à peu près entre 20 et 25% plus de pluie dans le Jura, et ça ne s'est pas passé cette année. Donc on assiste aujourd'hui à un phénomène un petit peu de blocage de maturité hein, entre les prévisions qu'on a faites par rapport à la fleur fin mai début juin et ce qu'on constate aujourd'hui dans les vignes, c'est que ben, les vendanges qui s'annonçaient très précoces vont être précoces mais sans doute un petit peu décalées sur fin août. Que vous dire de plus que cette année encore, malheureusement, on a dû faire face à un épisode de gel début avril sur nos vignes des Côtes du Jura. Bon, rien à voir avec l'année dernière, mais quand même, c'est à noter, hein, puisque c'est quand même depuis 2017, 2019, 2021, 2022. Après un millésime 2021 qui a été le plus petit millésime du domaine depuis ces 80 dernières années. Et on a été touché par la grêle en deux fois sur le vignoble arboisien, entre mi-juin et fin juin, notamment ici sur cette parcelle de Chagnon, qu'on est sur des trousseaux qui ont été grêlés à peu près à 20% mi-juin.